trouvé le format innovant, dans un mode très, très dynamique, où on a couvert vraiment tous les sujets de la supply, à la fois l'amont, l'entrepôt, l'aval. Il faudrait peut-être les explorer encore un peu plus. Bien sûr, je pense à l'intelligence artificielle, qui est un vrai enjeu pour nous, l'environnement également. Voilà, la réglementation aussi, c'est quelque chose qui n'a pas été abordé aujourd'hui, je pense, mais qui est quelque chose qui évolue et qui va encore évoluer vu les enjeux auxquels on fait face en supply chain. L'échange, bien sûr, est toujours intéressant de voir justement quelles sont les innovations, quelles sont les tendances du marché. Je trouve que c'est toujours important de prendre de la hauteur et donc justement de participer à ce genre d'événement. Même pour être très honnête, Arvato aujourd'hui est en transformation ou en réflexion justement, et je pense qu'on va voir comment on peut peut-être, je dirais, participer d'une manière même plus active.